Attention, vous êtes sur le point de découvrir l'un des plus gros casiers de France. Ceci est possible grâce à tous les dons de la communauté et mon investissement personnel. Lâchez un pouce en l'air, abonnez-vous. Merci. Yo la Team Z, j'espère que vous allez bien les gars. On se retrouve aujourd'hui avec enfin la vidéo des 1600 skins. Pourquoi je dis enfin? Parce que ça fait plusieurs semaines que j'en parle, dans le sens où je les attendais. Je ne les avais pas encore. Là, nous sommes à 1604. On peut monter à plus, hein, 1610, etc. J'attendais justement les soldes du Black Friday. J'en ai acheté quelques-uns, justement, dernièrement, pour pouvoir justement monter à 1600. J'ai, dans les récents, donc les 4 là, qui sont passés en promo à 9,99€, etc. Les gars, je vous raconte un peu ma vie pour que vous compreniez. Actuellement, on a dépassé les 1600, je vous fais la vidéo, mais on aurait pu être déjà à 1615. Avec tous les packs dispo, là, justement, j'attends juste de pouvoir les acheter, puisque c'est en cash, plus les nouveautés qui vont arriver là, plus la nouvelle saison qui va arriver en décembre. Je peux vous dire qu'on peut monter à 1620, 1630. Donc oui, l'un des plus gros casiers de France. J'en connais d'autres, les gars. Il y a Canvé de Nico sur Twitch qui stream et qui en a beaucoup. Il en a plus de 1650. Vous êtes nombreux à le suivre également, etc., etc. Une fois de plus, hein, je le répète, c'est grâce à tous les dons de ma communauté que j'ai ce gros casier. J'ai nommé notamment, genre, je vais vous en donner 5 des noms dans le listing, hein. Mais j'ai Funny Pins par exemple, presque 200 000 V-Bucks de dons, Fallout, plus de 150 000 V-Bucks de dons, G4 Wolf, 97 000 V-Bucks de dons, La West, 90 000 V-Bucks de dons, Vélolou, 78 000 V-Bucks de dons, etc. Blaze, qui est déjà à plus de 40 000, Gaëtan, 50 000 également, j'en ai plein les gars, j'en ai plein. Dernièrement, j'ai notre ami Yann qui nous fait plein de dons, Sandrine Sozani, enfin les gars, vous, voilà. Vous avez des, tous les noms d'ailleurs en description de tous les dons en V-Bucks, si vous voulez vous intéresser à ça. Vous pouvez regarder, je les remercierai jamais assez, chaque donateur, que ce soit 200 V-Bucks, 1 million de V-Bucks, ça m'a permis d'avoir ce que j'ai les gars. Ce que j'ai, c'est-à-dire 1600 skins pour cette vidéo, mais si vous regardez bien, j'ai 1252 sacs à dos, ce qui est énorme, j'ai plus de 1035 pioches, d'accord, 1035 pioches. Les planeurs, pareil, 487, vous rendez-vous, enfin, vous devez vous rendre compte que c'est quasiment, si vous réunissez tout, j'ai 90% du jeu débloqué, quoi. 149 traînées, je crois, sur 150, je crois que j'en manque pas beaucoup. Pareil, les émotes, on va arriver sur les 700 émotes, au total, j'en ai 1700, là, dans tout, dans les sprays, etc., mélangés, des trucs rares, des trucs moins rares, etc. Les revêtements, pareil, 631 revêtements, on n'est pas loin, on n'est pas loin, on n'est pas loin de tout avoir. Les musiques, si ça vous intéresse, 180. Bref, parlons-en de ces skins. J'ai un petit listing de 4 skins rares dans mon casier. Si on remonte tout là-haut, alors hop, vous voyez bien, ils sont rangés dans l'ordre de défaut, d'accord, par défaut. Je peux les mettre de A à Z par saison, voilà, mais je vais laisser par défaut, où il y a justement tous les trucs. Alors, ce que je vais faire, les gars, c'est que je vais scroll un petit peu, en vous parlant de ce que j'ai de rare, et ensuite, une fois que j'aurai fini de scroll, je vous montre bah, les 4 skins, on va dire, les plus rares, ou ceux qui sont considérés rares dans mon casier. Vous pouvez mettre la vidéo justement en ralenti, si vous voulez voir vraiment doucement tous les skins que je possède. Sachez que j'ai des skins, on va dire la première saison la plus rare que j'ai, c'est chapitre 1 saison 3, puisque j'avais pas acheté le pass saison 2. J'ai pas tout ce qui est Renegade Raider et compagnie, bah parce qu'au début je pense que vous et moi vous êtes nombreux à rien avoir acheté, moi non plus. Je pensais pas que ça allait devenir un truc que j'aimerais faire dans le futur, c'est-à-dire de collectionner tous les skins du jeu. Certains trucs mobiles j'ai, certains trucs rares j'ai, notamment, parlons-en, on va parler de Travis Scott. Travis Scott, vous connaissez, il est là, il est dans mon casier, il est ici, et il est dispo, d'accord. Alors, on va faire autre chose, c'est que je vais vous expliquer ce que j'ai pas, et toutes les collections que j'ai. Notamment, vu que je vous parle de Travis Scott, vu que j'ai tous les skins série icône, sauf l'Astro Jack, donc qui vient avec Travis Scott, c'est pour ça que je m'arrête là-dessus pour vous expliquer que je les ai tous. Si vous regardez par exemple, on va repartir là-dessus et je vais vous montrer Gaming. Alors si vous mettez Gaming, alors on va mettre Gaming comme ça, j'ai tous les skins série légende du Gaming, d'accord, sauf un, qui est le Borderlands. Avec un miracle, il sortirait là pendant la Fortnite OG, je ne pense pas, mais bon voilà. Mais sinon je les ai tous, sauf celui-là. Pareil les gars, si on s'attarde un peu plus sur les Marvel, donc pourquoi je parle Marvel, parce que l'un des skins les plus rares au monde, c'est la Black Widow. Je les ai tous, donc tous les Marvel, je les ai, sauf la Black Widow. Donc il fallait bien qu'il m'en manque un. Donc tout ça les gars, c'est sympa, mais c'est pour vous tenir au courant de ce qui manque, donc de pourquoi
et comment est-ce que je pourrais être encore plus proche d'atteindre les 1650 skins et d'être dans le top 3 des meilleurs, on va dire, des meilleurs casiers de France. C'est vraiment pour vous informer. Après ça, nous avons par exemple Dante. Alors Dante, c'est un skin qui est un peu controversé dans le sens où il ne sort pas depuis un certain temps. Dante, par exemple, ici sur le game, est à plus de 1114 jours d'absence. Donc ça commence à faire beaucoup. Le Travis Scott, les gars, pour ceux qui se demandaient, hein, que je viens de passer, était à 1302 jours à l'heure où je vous parle. Et par exemple, vous avez des John Wick. Alors si je vais regarder John Wick, hop, j'ai marqué Jom. Ah oui, on va pas le trouver comme ça. Hop, John Wick, alors il est là, celui-ci. Vous voyez bien que c'est encore une fois un skin rare, il arrive aux 1000 jours. Bref, j'ai plein de skins comme ça. On va dire, après, ils sont décrescendo, hein, vous allez les voir descendre petit à petit dans les dates. Mais sinon, ouais, j'en possède pas mal. Et qui veut dire, les skins veut dire aussi les objets qui vont avec, hein, les pioches, les revêtements, etc. Dont le skin le plus rare que je possède, qui est le skin le plus rare de la boutique, considéré comme boutique normale, c'est le réflexe. Alors, skin réflexe, pour ceux qui se demandent, 1722 jours. Alors, si vous voulez calculer ça en truc, ça fait presque 4 ans et demi, genre 5 ans que c'est pas arrivé. Ça fera 5 ans en, bah justement, en février-mars, qu'il n'est pas sorti de 2019. D'accord, donc les sorties, c'était ça. C'était l'historique de la boutique. Il est sorti le 3 mars et le 4 mars 2019. Point à la ligne. Donc, seulement deux apparitions en boutique, deux jours de suite, et ensuite, c'est ciao. Ça n'a plus jamais été disponible en boutique. Donc voilà les gars, pour grosso modo ce que je possède de plus rare, j'ai bien sûr d'autres petits trucs par-ci par-là, comme je vous disais, les collections sont quasi complètes, les bleuvages sont complets, les Marvel sont complets, les DC Comics sont complets, je sais pas quoi vous dire d'autre, vraiment, c'est un grand merci que je dis comme d'hab à toute la communauté, parce que c'est eux qui me permettent d'avoir tout ce que j'ai. Et du coup, toutes les boutiques arrivent petit à petit, se garnissent petit à petit, et je finis par avoir donc l'un des plus gros casiers de France. Comme je vous dis, il y a des gens qui ont beaucoup de choses parce qu'ils ont tout acheté. Par contre, ici, ils sont genre à 1200, 1300, donc j'en ai 300 de plus. Donc si on calcule vraiment la totalité du casier, je suis pas loin d'être dans le top 3 déjà d'avance, sans même les skins qui me manquent. Donc c'est pas mal, franchement ça me réjouit d'avoir ça et de pouvoir vous le montrer les gars. Et c'est cool. Alors si vous voulez me soutenir les gars d'ailleurs en achetant et en me soutenant en boutique, le code créateur Temo-Lopez. Et voilà, ça fait plaisir. Tous ceux qui me soutiennent déjà depuis toutes ces dates là, je vous remercie infiniment. Tous les gens d'ailleurs qui viennent ce soir ou tous les soirs d'ailleurs, 21h minuit maintenant depuis plus de 3 ans en live. Tous les jours. Bien n'oubliez pas, venez, on va jouer ensemble. Dernièrement, il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent, ou plutôt ils jouent avec leurs potes peut-être, ou des choses comme ça, mais n'oubliez pas, je suis toujours là pour jouer avec vous, et pour être dispo, ça me fait plaisir, de ouf, en tout cas, merci à vous. Rendez-vous boutique à 1h du mat, heure d'hiver, 2h du mat, heure d'été, tous les jours également en live, pour vous faire découvrir les prochaines boutiques. Merci à vous les gars, n'oubliez pas de rester zen, et ciao.